Ce soir donc, nous abordons le thème de la chute de l'homme du point de vue théologique et non pas du point de vue historique. D'abord parce que il est important de clarifier les idées concernant le contenu théologique de la chute. On ne peut pas tout faire en même temps, mais ensuite parce que, comme vous le savez, cela constitue une réalité quasi irreprésentable. Le mystère de la chute est lié directement à celui de Adam, en vertu de l'affirmation de saint Paul que c'est du fait du péché d'Adam que l'humanité entière a été déchue de l'état de justification devant Dieu. Par conséquent, la réflexion sur la chute est immédiatement liée à la réflexion sur Adam. Normalement, la lecture normale du texte est de considérer que saint Paul parle de l'Adam prototypal, cet Adam que nous sommes incapables de nous représenter, auquel nous croyons parfois, mais que nous sommes absolument incapables de nous représenter du point de vue de la raison et de la science. Et quant à l'Adam historique, celui qu'on a situé au Chalcolithique en vertu de la chronologie grecque de la Bible, il est clair qu'il ne constitue pas la raison d'être profonde du mystère de la chute. Donc ce n'est pas la peine ici de chercher à lier le mystère de la chute nécessairement avec la personnalité d'Adam. Soit l'Adam prototypal qu'on ne peut pas se représenter, soit l'Adam historique qui lui-même est déjà manifestement dans un monde déjà déchu, où la chute a déjà eu lieu, pour le moins d'après ce que l'on peut observer. Et de fait, la question de la chute est infiniment plus profonde que la question même d'Adam. Alors, je vous rappelle le texte principal de saint Paul qui constitue pour nous le dogme de foi. Pourquoi c'est saint Paul seulement et pas d'autres ? Parce que c'est à la lumière de saint Paul que ensuite d'autres affirmations concernant Adam dans la Bible ou concernant la tradition ecclésiastique, qu'elle s'origine dans le judaïsme ou dans les commentaires des pères, trouve proprement son point d'accrochage théologique. Il s'agit du chapitre 5 de la lettre aux Romains et on s'arrêtera sur les versets 12 et 18. Donc saint Paul semble parler comme si ses auditeurs le comprenaient sans problème et comme si ce qu'il disait ne formait aucun problème. Voilà pourquoi. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché, c'est la traduction ici de Jérusalem, tiret, parce que la phrase est en suspens, car jusqu'à la loi il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'était pas imputé quand il n'y avait pas de loi. Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait
venir. Et de nouveau, trois petits points. La phrase est en suspens. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion dans la multitude ? Et il n'en va pas du don comme des conséquences du péché d'un seul. Le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation. L'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à une justification. Si en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul produit à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste ? Alors, c'est un texte extrêmement difficile et je me propose de vous en donner une certaine intelligence, dans les limites, bien sûr, de ce que j'ai compris. Alors la première chose importante sur laquelle je voudrais ici m'arrêter, c'est que ce texte-ci constitue donc le texte fondateur de la foi en la chute de l'humanité en conséquence de la chute de l'Adam. Qu'il s'agisse de l'Adam prototypal et de l'Adam historique. Dans le langage de l'Église, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Cette expression a été inventée par saint Augustin. Je m'arrêterai après sur ce qui fait la spécificité de la pensée de saint Augustin et sur ce qui, ensuite, va devenir pour l'Église dogme en vertu de la réflexion de saint Augustin. Mais je préciserai donc d'emblée, comme ça, que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de péché originel avant saint Augustin. En revanche, il y avait, pour faire simple, ce qu'on peut appeler une souillure originelle. C'est-à-dire que le péché de l'Adam entraînait une véritable dégradation de la nature humaine, dont nous étions tous, évidemment, les héritiers. Cette dégradation entraînait un véritable désordre dans la nature humaine et un désordre qui était nommé le foyer du péché. C'est-à-dire que nous avions désormais une tendance continue au péché, c'est-à-dire à la transgression du commandement divin, du fait que nous avions été comme abîmés par les conséquences du péché de l'Adam. Alors cette idée de souillure originelle est très ancienne. Elle ne date ni de saint Augustin, évidemment, parce qu'on va voir qu'avec Augustin, on va faire un pas en plus, et qui constitue proprement le dogme catholique. Mais elle ne date pas non plus de saint Paul. Elle date d'on ne sait quand. Du point de vue des Juifs, je ne suis pas assez versé dans la question, mais il est certain que nous n'avons pas d'écrit juif antérieur à la Bible. Le problème, c'est qu'en fait, les écrits chrétiens sont en général les plus anciens textes juifs que nous ayons.
Tous les textes proprement juifs sont post-chrétiens. En tout cas, dans la doctrine générale du judaïsme, on reconnaît une doctrine de la souillure originelle. Alors, elle s'exprime dans les écrits ésotériques sous forme mythologique et d'une forme d'ailleurs assez grossière. Par exemple, on considère que le démon s'est uni avec Ève et qu'en s'unissant avec elle, il lui a fourré dans le ventre une sorte de poison, en sorte que tous les enfants d'Ève sont empoisonnés. On se représente aussi le fait que Adam ayant cédé aux sollicitations du démon, alors le démon a plusieurs noms, plusieurs formes, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, en cédant au démon, le démon s'est comme enroulé autour d'Adam, sauf qu'il l'a ligoté. Donc Adam se trouve devenu un, il s'est uni, une sorte d'union mystique avec le démon. Dans la tradition juive, donc, il y a bien l'idée d'une souillure originelle, c'est-à-dire que l'homme est complètement abîmé, au point d'être possédé par la puissance démoniaque. Et dans le judaïsme traditionnel, c'est la circoncision qui libère de l'influence démoniaque, influence irrépressible. Et lorsqu'on a déchu de la circoncision, c'est l'écoute et l'observance de la Torah qui constitue un acte libérateur, véritablement, de l'empire de Satan sur l'homme. Donc aujourd'hui, enfin depuis le don de la Torah et après, jusqu'à aujourd'hui, un juif se considère libéré de l'emprise universelle du démon, à la fois par la circoncision et par l'écoute de la Torah. Et donc lorsque Paul parle de ce que l'humanité entière est tombée dans un état de péché du fait de la chute d'Adam, il n'invente rien. En fait, il exprime la même chose, sauf que vous notez qu'il n'y a aucune référence mythologique à une union, à une semence, ni à un envoûtement, ni à un enroulement du diable autour de la personne d'Adam. Sachez que cette représentation-là, mythologique, est encore bien plus ancienne que le judaïsme. Parce qu'on l'a retrouvée dans les écrits d'Ougarite. Le dieu des Ougarites s'appelle El, quelqu'un qu'on connaît, et les hommes s'appellent Adam aussi, en Ougarite. Et donc Dieu est le père des Adam. Et on a retrouvé un écrit qui raconte comment l'homme a consommé un quelque chose qui l'a rendu malade, et ce quelque chose lui a été donné par le grand serpent. Donc l'idée de tentation suivie de empoisonnement de l'humanité, de sorte qu'elle est enchaînée dans l'empire du malin, n'a rien d'une idée nouvelle. Ce n'est pas Saint Paul qui l'a inventé,
c'est même pas la Bible qui l'a inventé, c'est quelque chose qui remonte à Mathusalem. Alors, en fait, le texte de saint Paul va est encore plus puissant que le thème de la souillure universelle, et c'est pourquoi saint Augustin va faire un pas en plus. Il va dire que l'homme n'est pas seulement malade, abîmé par les conséquences du péché, il est lui-même pécheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement transmission de la dégradation que provoque le péché, mais il y a transmission de la faute, de la culpabilité. Et ça, pourquoi ? Ben parce que c'est Paul qui le dit. Si vous m'aviez entendu, eh bien vous avez entendu que Paul dit « Comme en effet par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse. » Pécheresse, ça ne veut pas dire malade ou dégradé ou corrompu, ça serait le langage théologique de l'époque. L'humanité n'est pas seulement corrompue, elle est pécheresse. Autrement dit, elle est proprement transgressant lui-même le commandement. Au-dessus, je me suis arrêté sur le fait que c'était la traduction de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que ainsi la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché. Alors, on a reproché à Augustin d'avoir lu N-O, non pas tel qu'aujourd'hui on le traduit, non pas du fait que, mais d'avoir lu parce que en lui tous ont péché. On a pensé que Augustin, croyant à l'emboîtement de toute l'humanité en Adam, toute l'humanité en puissance, eh ben, participait à l'acte pécamineux de Adam. Et que nous étions tous acteurs de la transgression d'Adam. Alors que Augustin ait mal lu le N-O, si je ne me trompe pas, c'est bien N-O, je m'assure bien de ça, sinon... En tout cas, Augustin ne se base pas que sur cette phrase-là. Il se base sur la phrase précédente. À cause de la transgression d'un seul, toute la multitude a été constituée pécheresse. Et donc, Augustin a défini qu'il n'y avait pas seulement transmission de la peine du péché, c'est-à-dire des conséquences désastreuses du péché, mais qu'il y avait bien aussi transmission de la faute, de la culpabilité. Et c'est cela qui, jusqu'à maintenant, depuis au moins le Concile de Trente, est dogme de l'Église catholique. N-O, c'est ça. N-O, Pantes et Marton. En lui ou du fait que tous ont péché. N-O, Pantes et Marton. Et donc, la profondeur du mystère de la chute nous demande de réfléchir à ce que pourrait être la transition de la culpabilité. C'est-à-dire, comment je puis être coupable de quelque chose que je n'ai pas commis. De dire N-O au sens de « j'étais en lui » et donc c'était bien sûr un échappatoire facile. Mais saint Augustin, en fait, voulait révéler, dans le cadre, bien sûr, de l'intelligence qu'il avait philosophique du monde, un mystère bien plus profond qui est tout à son honneur,
c'est-à-dire le mystère de la solidarité dans le péché, de même qu'il y a solidarité dans la justice. C'est-à-dire que si un est pécheur, alors tous sont pécheurs, et si un est juste, alors tous sont justes. Et c'est cela que je voudrais ici exposer. Je commencerai d'abord aussi par rappeler que lorsque saint Paul dit que par un seul homme le péché est entré dans le monde, il cite une phrase hyper fameuse du livre de la Sagesse. En effet, il est dit dans le livre de la Sagesse, au chapitre 2, verset 24, que c'est par l'envie du démon que la mort est entrée dans le monde. Alors c'est très important parce que le texte de la Sagesse ne se réfère pas à Adam. Alors, bien sûr, la lecture homogénéisante, c'est de dire que la mort est entrée dans le monde du fait de Satan à l'occasion de la chute d'Adam. Mais ça, c'est une possibilité, mais ça n'a rien de nécessaire. En réalité, il y a deux événements. Il y a l'entrée dans le monde de la mort et du péché du fait de la jalousie du démon, et il y a ensuite la chute d'Adam. Et donc ça, c'est très important parce que ça permet aussi de nous libérer de l'hypothèse selon laquelle ces deux actes seraient concomitants. Surtout si on admet que l'Adam prototypique et a fortiori l'Adam historique était déjà dans un monde pécheur. D'ailleurs, dans le récit biblique, Satan vient tenter Adam. Comment on dit, s'il vient tenter Adam, il est dans le monde. Donc le péché est déjà dans le monde du fait de la jalousie de Satan au moment où l'Adam biblique chute. Alors c'est très important de se rappeler que le péché quand même remonte aux anges. Et que c'est seulement parce que les anges ont chuté qu'ensuite l'homme chute. Ça nous donne tout de suite la mesure du problème. C'est qu'il est absolument impossible de s'en sortir par nous-mêmes. Parce que si des êtres supérieurs à nous sont déjà dans le mouvement de la désobéissance, c'est pas à notre niveau que nous allons régler les problèmes du monde. Cela motive justement, eh bien, l'intervention de Dieu. Et ça, c'est un point très important qui est ici exposé par saint Paul. C'est qu'on ne peut pas connaître le péché, en fait, tant qu'on n'a pas expérimenté le salut. Et oui. Tant qu'on n'a pas vécu le salut en Christ, tant qu'on n'a pas expérimenté la justification grâce à notre solidarité au Christ, le péché n'est qu'un mot pour nous. Mais on ne sait pas quelle est la profondeur même du péché. Alors c'est pour entrer dans ce mystère de la solidarité du péché et de la justification, du péché de l'homme et de la justification en Christ, qu'il nous faut reprendre de fond en comble l'œuvre de la création et se faire une représentation ajustée de l'œuvre de salut que le Christ a accompli. C'est pourquoi je vous propose un petit parcours théologique sur l'un et l'autre thème. Je vous rappelle précisément, à la lumière de la révélation, que Dieu s'est effectivement dévoilé à nous de manière définitive et absolument décisive. Dieu s'est révélé à nous, Père, Fils et Saint-Esprit.
Et en dehors de ça, il n'y a point de lumière dans le monde. Ce mystère-là, c'est celui qu'on appelle le mystère de la Trinité. Par des paroles de Jésus, nous savons que Dieu, Père, engendre son Fils de toute éternité et pour toute éternité. Qu'il y a une relation qu'on appelle la génération entre le Père et le Fils. C'est sûr, une génération qui à la fois est claire et qui en même temps est tirée de notre propre, bien sûr, expérience de la paternité, de la maternité et de la filiation. En dehors de ce grand mystère-là, nous ne comprenons rien à l'existence. Et nous savons aussi par des paroles de Jésus, particulièrement chez Saint Jean, tout ça, que le Fils rend tout à son Père. Donc la relation du Fils au Père est celle de l'action de grâce. Et que l'Esprit Saint apparaît dans l'entre-deux, entre le Père et le Fils, qu'il assure ce que l'on peut appeler la réciprocité du Père et du Fils. Comme on n'a pas de mots pour nommer cette réciprocité, dans la théologie latine en particulier, on l'appelle l'aspiration du Père et du Fils. Donc Dieu s'est révélé à nous, Trinité, Trinité engendrante, Trinité rendant grâce et Trinité spirante. La foi confesse que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont absolument égaux en puissance, en essence et en sagesse, et qu'ils ne sont distingués précisément que par les relations dites personnelles. Alors, bien sûr, ça a pris un peu de temps pour que l'Église des nations exprime la réalité de la Trinité de manière abstraite, dans le langage commun. Néanmoins, ça n'a pas pris tant de temps que ça, puisque déjà Tertullien, au IVe siècle, était capable, sans problème, de dire, dans le langage latin, que Dieu était confessé comme trois personnes et une seule. Alors, selon les époques, on a dit nature, essence, substance, et pour parler moderne, on va dire une seule vie. Donc le mystère de Dieu, c'est qu'il y a une seule vie qui est partagée intégralement par trois personnes. Alors le terme « personne » est un terme latin qui vient du théâtre et qui désigne à l'origine le masque des acteurs qui servait de porte-voix, d'où « personare ». Et ici, bien sûr, ce qui est signifié, c'est que les personnes, les entités divines, ne se distinguent que par le fait qu'elles ont un visage qui les réfère à autrui. Et c'est cela que nous entendons par le concept de personne. De personne, c'est l'aptitude à entrer en relation avec autrui, de telle sorte que les relations soient constitutives, précisément, des termes en relation. Pourquoi je dis ça? Parce que, en bonne philosophie, le contraire de la personne, c'est la chose. Donc, la chose n'est pas plus facile à définir, mais une chose telle que ce feutre, et elle aussi, au milieu d'une foule de relations, l'espace, le temps, les forces qui s'opposent sur elle, les lois qu'elle doit suivre, etc. Mais on considère que cet objet est absolument étranger aux forces qui s'exercent sur lui.
c'est-à-dire qu'elles le constituent sans que lui-même ne soit participant. Il n'est pas doué de spontanéité. En revanche, la personne, c'est précisément la capacité à s'auto-constituer dans la relation avec autrui. Alors ici, bien sûr, on est à la limite hein, de notre capacité à comprendre le réel. On parle ici de catégories ontologiques qui définissent le cadre de notre appréhension du réel, au-delà duquel, de toute façon, on est incapable de s'exprimer. Autrement dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes, et ils ne sont personnes que parce qu'ils sont en relation constitutive l'un par rapport à l'autre. Et si une personne ne se définit que par la relation constitutive, ça implique qu'on ne peut pas connaître une personne, sinon en entrant en relation avec elle. Dès que l'on est extérieur à elle, en fait, nous la traitons comme une chose, plus ou moins complexe, mais en fait, ce n'est qu'une chose. Autrement dit, on ne peut pas connaître Dieu, en l'occurrence, sans expérimenter la relation avec lui. En revanche, on peut parler pendant des heures de Dieu, ce que je fais là. Je traite de Dieu comme d'une chose devant vous. C'est-à-dire, je donne un cours sur Dieu. Et ce cours comme tel, ce n'est pas la relation vivante avec Dieu. Sauf que j'espère être suffisamment brave et de faire en sorte que ce que je dis de Dieu, eh bien, décrive effectivement l'ensemble des réalités relatives à la relation avec Dieu. Donc Dieu est une personne qui se rencontre et lui-même ne peut, à proprement parler, se définir que par la rencontre. Ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se définissent que par ce qu'on appellera, pour dire en un mot, l'interpersonnalité entre eux. C'est extrêmement difficile à énoncer dans le langage, mais c'est ce mystère-là qui est notre lumière. En dehors de ça, il n'y a que des choses, autrement dit, il n'y a que de la ténèbre. Cette interpersonnalité, eh bien, implique tout un ensemble de réalités d'importance. La première, c'est qu'on ne peut pas être une personne tout seul. Et donc, ça veut dire que Dieu se définit par la pluralité. La pluralité. Autrement dit, si Dieu est une personne, il est nécessairement pluriel, pour ne pas dire plusieurs. Plusieurs, ça supposerait que chaque personne divine soit indépendante de l'autre, autrement dit qu'elle ne soit pas une personne. Ce serait trois grosses choses. Mais dans le cas précisément de l'interpersonnalité, le Père ne peut pas vivre sans le Fils, et l'un et l'autre ne peuvent pas vivre sans l'Esprit qui les unit. Alors, par rapport au Père et au Fils qui définissent, pourrait-on dire, les termes de l'interpersonnalité, l'Esprit-Saint définit eh bien, la relation de l'interpersonnalité. C'est très important parce que ça veut dire que si on veut vraiment penser Dieu comme une personne, eh bien on est obligé de le penser comme Trinité. En dehors de la Trinité, il n'y a sans doute pas même de Dieu tout court. Il n'y a qu'une grosse chose, une chose infinie, mais pas un Dieu. Dieu est pluralité, il est aussi bien sûr communion, parce qu'il partage entre diverses personnes, et dans ce sens-là, il décline toutes les formes de communion. On peut dire que Dieu est déjà famille, il est déjà société, il est déjà amitié. Dieu n'est pas seulement communion, il est encore échange. Puisque selon les formules de Jésus, le Fils
procède du Père et prend de l'Esprit. Le Père lui donne la vie. Autrement dit, la réalité trinitaire est dynamique. Il y a un véritable circuit entre les personnes, chacune se donnant à l'autre. Et se donnant, bien sûr. Alors, c'est très important parce que si l'aspect circulaire ou cyclique de la vie divine lui est fondamental, pour nous, cela nous permet de comprendre que tout ce qui sera réel sera nécessairement en circuit. Depuis les atomes qui tournent sur eux-mêmes jusqu'aux galaxies qui tournent sur elles-mêmes. Il n'y a pas de réalité sinon circulaire. Subsistance et circularité, c'est la même chose. Sauf que, alors les échanges, bien sûr, j'ai parlé des atomes, j'ai parlé des nébuleuses, mais toute la vie est circulaire, toute la vie est échange. Vie, bien sûr, on échange au niveau énergétique, on échange au niveau physiologique, on échange au niveau affectif, on échange au niveau économique, on échange au niveau culturel, on échange au niveau spirituel. Être un vivant, c'est échanger. C'est recevoir la vie et la faire passer à autrui. Et plus on est capable de ça, plus on est un vivant. Mais l'échange, dans le cas de Dieu, il va jusqu'au don de soi. D'après les formules de Jésus, on en conclut que le Père donne tout. Et le Fils se rend absolument au Père. Et l'Esprit aussi est communiqué avec abondance, c'est-à-dire, voilà, et non pas par mesure. Donc, il y a une sorte de totalité dans le don. Et tout ça, lorsque c'est vécu dans sa vérité, eh bien, du point de vue affectif, ça s'appelle l'amour. Donc, lorsque Saint Jean dit que Dieu est amour, bien sûr, il ne se réfère pas simplement à un sentiment, il se réfère au grand mystère de l'interpersonnalité trinitaire. Dieu est communication de soi et le don de soi réciproque. Alors évidemment, à partir de là, on comprend très bien comment on déchoit de ce modèle de vie, comment à l'amour s'oppose la haine, au don de soi et à l'échange l'égoïsme, comment à la communion s'oppose toute forme de solitude, solipsisme, exclusion d'autrui, et comment à la pluralité s'oppose la logique du même qui nie bien sûr la différence. Dieu, dans la mesure où il est pluralité et communion, donc il est nécessairement une, j'ajouterais ici aussi qu'il connaît ce qu'est l'altérité. Puisque le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas l'Esprit, et le Fils n'est pas le Père. La notion d'altérité est essentielle. Parce que on pourrait croire que Dieu écrase tout le monde. Ben non. Dieu s'écrase pas, le Père n'écrase pas le Fils. Le Père connaît la différence de ce qu'est autrui. Alors c'est très important parce que ça implique que le fait de poser un autre est intrinsèque à Dieu et cela rend compte de sa capacité créatrice ensuite. Donc voilà le grand mystère de Dieu. Et ce mystère-là est la clé du réel. Est la clé de la création. Un beau jour, Dieu a en effet créé l'univers. Il a créé l'univers comme justement un autre auquel il communique sa vie. D'après la révélation, nous savons que cet univers créé, évidemment, les proportions sont inverses. Cet univers créé, donc, vit de la vie de Dieu,
Absolument. C'est-à-dire que les relations de Dieu avec l'univers sont équiparées à celles qui existent à l'intérieur même de la Trinité. Ça, c'est Dieu, ça, c'est l'univers. Par un univers, entendez le sens propre du terme, c'est-à-dire tout ce qui est, l'universum. Et donc, Dieu, c'est-à-dire la Trinité, est à l'univers comme un père pour son fils. Sauf que le terme qu'on utilise, ce n'est pas celui de la génération, c'est celui de la création. Mais la création est un analogue de la génération. Et donc les créatures, quelles qu'elles soient, sont comme des petits enfants par rapport à leur créateur. Et de même, l'univers est à Dieu comme un fils par rapport à son père. Et donc la grande loi de la vie, celle qui nous pose problème sans cesse, c'est de vivre dans l'action de grâce. Eh oui, c'est la grande règle de la vie. C'est-à-dire que nous devons sans cesse redonner à Dieu tout ce que nous recevons. Nous devons le rendre à Dieu et vivre tout ce que nous vivons dans l'action de le recevoir de Dieu et de le rendre à Dieu. Et plus nous sommes capables de ça, plus nous sommes capables de vivre de la vie divine. Il y a même un principe fou, c'est que le don ne s'accomplit que dans le redon. Autrement dit, on ne reçoit que ce que l'on donne. À bon entendeur, salut. C'est-à-dire que le don de Dieu, lui, est sans réserve, mais la donation, c'est-à-dire le fait que nous puissions recevoir ce don, est à la mesure de notre capacité à notre tour à donner et à redonner. Ça implique que non seulement nous devons vivre dans l'action de grâce, c'est-à-dire dans l'allégresse, bien sûr, continue, mais ça implique aussi qu'il nous revient de nous dépenser absolument, jusqu'au dernier souffle, que nous devons brûler toutes les énergies qui nous sont données. Malheur aux paresseux. Donc la logique circulaire, comme don et contre-don, est la grande clé de l'existence, et elle trouve son origine dans l'interpersonnalité trinitaire. Alors le Saint-Esprit, eh ben, il fait justement la jonction. C'est ce que, en règle générale, nous appelons l'Esprit de Dieu. Attention à vous. L'Esprit de Dieu, c'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, c'est en fait la puissance créatrice de Dieu. Mais parce que la puissance créatrice est médiatrice, comme l'Esprit Saint est médiateur entre le Père et le Fils, eh bien, nous attribuons, donc c'est ce qu'on appelle le langage de l'attribution, nous attribuons à l'Esprit Saint, en fait, toutes les actions de médiation. Et donc, l'Esprit de Dieu, ici, est ce qui meut l'ensemble de la création. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas une chose et n'est pas une personne. Enfin, il est à la limite une chose, mais il n'est pas une personne. C'est simplement le fait qu'entre Dieu et l'univers, il y a ce déversement de puissance créatrice. Donc effectivement, je suis doué pour les mathématiques ou pour la gymnastique, je peux l'attribuer à l'Esprit de Dieu, mais je n'ai pas à l'attribuer à l'Esprit Saint. Ce n'est pas la même chose.
dois l'attribuer à l'Esprit de Dieu parce que je dois l'attribuer au souffle créateur de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit. En revanche, nous, comme chrétiens, dans le baptême, nous prétendons recevoir l'Esprit Saint et pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est diffus dans la création proprement dite. Donc voilà, le réel est régi par les relations intra-trinitaires, de telle sorte que s'effectue le grand mystère du don et du contre-don, dans la puissance même de Dieu. D'après la révélation, l'univers est lui-même constitué de deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Le monde invisible est traditionnellement nommé d'après l'analogie de la perception du monde visible, c'est-à-dire l'un est nommé cieux et l'autre est nommé terre. Si les analogies anciennes vous dérangent, on peut parler plus savant. Les cieux étaient appelés empyrée, mais c'est une autre analogie. Hein. C'est l'analogie du feu, de puros, le feu, c'est-à-dire on veut signifier qu'il y a une matière légère, éthérée, et en revanche, la terre est appelée cosmos. Et ici, c'est l'analogie, non pas du feu, mais de la coiffure de nos dames, puisque le seul mot français qui nous soit laissé du grec cosmos, c'est la cosmétique. Donc on veut dire que le monde est beau, voilà, le monde est bien ordonné. Donc le monde visible est cosmétique, et le monde invisible est igné. Voilà les analogies qu'on utilise pour qualifier ici deux mondes. Donc un monde qui nous est donné dans la perception et un monde qui ne nous est pas donné dans la perception. Dans ce monde qui ne nous est pas donné dans la perception, nous croyons, grâce au témoignage des voyants, qu'il existe un univers, des êtres vivants qui sont des anges. Il y a donc des myriades et des myriades et des myriades d'anges, les anges ayant pour justement tâche d'être les ouvriers de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont pour tâche de ordonner et gouverner le cosmos, le cosmos. Alors le cosmos, il comprend plein de choses. Hein. Aujourd'hui, on se représente les planètes. Voilà. Et puis, dans les planètes, alors sur une planète en particulier qui s'appelle la Terre, voilà, hop, eh bien nous avons des myriades et des myriades et des myriades d'espèces vivantes. Et bien sûr, un mystère en soi incroyable, allant de la complexité toujours croissante. Et au sommet du règne animal, il y a bien sûr l'homme. Faut, d'après aussi la foi, dans le monde angélique aussi, il y a une hiérarchie qui va des fonctions et des rôles croissants. Et puis les anges qui sont les plus près de Dieu, aux anges qui sont les plus près des vivants, et chacun régissant un degré de l'être. Alors les anges, bien sûr, le monde invisible et le monde visible sont eux-mêmes dans une relation analogique avec celle des personnes divines. C'est-à-dire que le ciel est à la terre comme un père pour son fils. Évidemment. C'est-à-dire que nous devons beaucoup aux anges. Nous devons reconnaître en eux plus que des frères. Hein. Nous devons reconnaître des aïeux. Des aïeux qui nous ont préparé précisément ce monde et qui ne cessent de le gouverner de manière invisible.
Et nous-mêmes, nous devons être dans l'action de grâce à leur égard. D'autant qu'avec le mystère de la mort, eh bien, nous allons passer du monde visible au monde invisible. Du monde biologique au monde angélique. Alors, je reviendrai sur la mort. Évidemment, ce n'est pas normal. Mais enfin, c'est quand même ce qui va se passer. D'après la représentation scientifique moderne du cosmos, normalement, on considère que le monde est le produit du Big Bang, en vertu de l'expansion de l'univers. C'est très important parce que ça paraît bête, mais ça veut dire que le monde était tout à fait contracté et qu'il ne cesse d'être en expansion. Évidemment, nous n'avons aucune idée de la manière dont les cieux ont été créés. Et si on joue sur les analogies, il se pourrait bien que le monde angélique, lui aussi, ait été à un moment complètement comprimé et qu'il se soit, lui aussi, diffus. Nous n'en savons rien. Ici, alors, se poserait la question qui a été débattue dans l'histoire de l'Église, de savoir est-ce que tous les anges ont été créés en un claquement de doigts ou eux aussi ont connu la démultiplication. Bien sûr, pas une démultiplication sexuée, mais telle que, surtout pas, bien sûr, voilà que j'ai oublié les adjectifs scientifiques, c'est-à-dire pas avec mâle et femelle, mais en attendant, la question de savoir s'ils se sont divisés et démultipliés, c'est-à-dire eux aussi connaissent une relation de procession des uns par rapport aux autres. Ce qui est certain, c'est que d'après, bien sûr, le mystère de la foi, cela se fait nécessairement par rapport à nous, par rapport à notre conception des choses, rapidement. C'est-à-dire que rapidement, les cieux se constituent et au terme de la constitution des cieux, il y a l'épreuve d'un choix pour ou contre le projet de Dieu. D'accord ? Et donc, c'est là où nous entrons dans le vif du sujet. D'après la révélation, eh bien, nous savons que les anges, le monde angélique, une fois qu'il a été constitué et qu'il s'est comme auto-constitué, qu'il a pris conscience de la finalité pour laquelle il était dans l'être, selon la volonté de Dieu, d'après la révélation, donc une partie des anges ont refusé de œuvrer selon le projet créateur de Dieu. Et du coup, selon la révélation, une partie des cieux, une partie des anges des cieux, a été exclue des cieux. Et ça constitue l'événement de la chute des anges. Prélude nécessaire à la chute de l'homme. Alors je l'ai mis dans l'entonnoir. Pourquoi ? Parce que précisément, s'ils sont chassés des cieux, c'est-à-dire que si cette réalité-là doit être bien constituée, c'est afin de rendre possible le monde. Les anges qui ont refusé d'être co-créateurs de Dieu, eh bien, ont été projetés dans, eh bien, je dirais, l'élément informe. Alors ici, bien sûr, on touche à un point important, c'est la question de l'informe et de la forme. Dans la représentation que nous avons héritée, à la fois du 19e siècle et à la fois de la scolastique d'à partir de l'époque des cathédrales, c'est-à-dire de l'époque de saint Thomas d'Aquin, nous croyons que il n'y a de matériel que le monde perceptible et que les anges sont immatériels.
Alors, il faut savoir que cette doctrina, c'était celle de saint Thomas d'Aquin, et qu'elle s'est imposée dans l'histoire de la théologie, tant que saint Thomas s'imposait. Depuis qu'il ne s'impose plus, on peut faire ce qu'on veut. Mais sachez surtout qu'avant lui, ce n'était pas du tout une doctrine acquise. Bonaventure, son contradicteur contemporain, lui, ne croyait pas à ça. Alors, il est vrai que, par exemple, dans un des psaumes, il est dit que les anges sont des esprits de Dieu. Le terme est ruha, ruach, mais ça ne veut rien dire en soi. Ce n'est pas pour un psaume qu'on doit affirmer quelque chose d'absolu. Ce n'est pas pour un verset d'un seul psaume. La conception antique, antérieure à Saint Thomas d'Aquin, c'est que du moment que l'on est dans la, on est un être créé, on est dans un milieu ambiant. Et ce milieu ambiant, c'est la matière dans laquelle on s'inscrit. Et donc les anges sont eux aussi matériels, comme les êtres vivants, sauf que la matière des anges est ignée, voilà, elle est de feu. Alors que nous, on est dans une matière lourde, pesante, terrestre. Et donc, les anges qui ne participent pas à l'œuvre de la création, parce qu'ils refusent le vouloir divin, et d'après le verset de la sagesse, ils le refusent parce qu'en fait, ils sont jaloux de la terre, ils sont jaloux des créatures inférieures, des créatures matérielles au sens biologique, eh bien ces anges-là, du coup, déchoient de la capacité à informer la matière. Ils sont forcément dans un no man's land, dans une zone indéfinie, que l'on pourrait dire, eh bien, l'informe. Ils nagent dans l'informe. Ils ne sont pas dans les cieux, ils ne sont pas dans la terre, puisqu'ils y participent pas, ils sont dans l'informe. Et ici, cette catégorie de l'informe est très importante, parce que ça veut dire que dans le réel dans lequel nous nous trouvons, eh bien, tout n'est pas structuré. Il y a du hasard, il y a de l'aléatoire, et il y a du vague. Donc les anges déchus sont dans l'informe, bien sûr, et ils néanmoins œuvrent pour que le monde soit lui-même perturbé, c'est-à-dire désinformé, en permanence. C'est-à-dire que l'œuvre d'information des anges bons soit abîmée, contrariée en permanence par l'influence que les anges déchus ont sur le monde. Alors, évidemment, c'est très difficile de comprendre tout ça. Au-delà de ces énoncés-là, nous sommes laissés à la sainte ignorance. Simplement, évidemment, les anges déchus, n'oublions pas, sont des anges. C'est-à-dire qu'à l'origine, ils avaient des pouvoirs sur le réel. C'était des anges qui étaient destinés à informer le réel. Et bien même en déchouant, ils conservent. Ils conservent des fonctions. Sauf que comme ils n'agissent pas pour Dieu, ça veut dire qu'ils ne sont pas co-créateurs, ils sont, pourrait-on dire, co-néants. C'est-à-dire qu'ils participent à la néantisation du réel d'après les fonctions qui étaient les leurs. C'est assez complexe, mais c'est très important parce que Dieu n'a pas détruit les mauvais anges et ne les détruira jamais. C'est-à-dire qu'ils demeurent à l'intérieur du monde comme des principes qui, au début, auraient dû être fonctionnels dans le monde. Les conséquences de la chute des anges sont telles pour l'œuvre de la création que la création est totalement défigurée. Donc, traditionnellement, la chute du point de vue ontologique est dans la théologie de l'Église
réduite à trois notions fondamentales. La première, c'est ce qu'on a appelé dans le jargon d'alors la peine du dâme. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du fait que nous perdons la vision de Dieu. C'est la perte de la vision de Dieu. Qu'est-ce à dire ? Le monde, d'après le projet initial de Dieu, devrait être, et donc là on introduit un concept très important, un concept dont on ne pourra rien dire, comme toutes les catégories fondamentales, c'est un concept limite. Le monde n'est pas seulement le produit de la puissance de Dieu, mais il est surtout aussi une expression de Dieu. Voilà un concept fondamental. Autrement dit, il est comme une parole de Dieu. Il a ce que dans notre jargon, on va appeler du sens. Alors, qu'est-ce que le sens ? En fait, le sens, c'est pas grand-chose, mais c'est le fait que une chose est référée à une autre. Autrement dit, une chose a une finalité, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas pour elle-même, elle existe dans la mesure où elle procède et tend vers autre chose. Donc le monde créé dans l'état d'innocence aurait dû être la parfaite expression de la sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le réel tel que nous le vivons aurait dû être plein de sens. Il aurait dû être extrêmement signifiant par rapport à nous. Et dans l'ensemble, on ne peut pas dire le monde est signifiant. Le monde nous parle. Le monde est rempli de finalités. C'est-à-dire que nous découvrons à travers ce que nous sommes, à travers ce que sont les créatures autour de nous, le pourquoi de chaque chose. Et nous découvrons des finalités de l'agir qui, pour nous, précisément, donnent du sens à la vie. Je suis un homme, je suis une femme, je respire le ciel, l'air, j'ai la capacité du travail, etc. Tout ça induit eh bien, des finalités. Donc le monde aurait dû être tellement signifiant que Dieu aurait dû être visible dans le monde. Mais, précisément, du fait que des anges ont refusé, et du fait que des hommes ont participé à ce refus, eh bien, le monde s'est opacifié. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une expression de Dieu, eh bien, il est devenu un voile de Dieu. Alors la cause est double, c'est-à-dire que les anges ont rendu le monde pas clair, et nous-mêmes, nous sommes pas clairs. Notre conscience n'est plus capable de saisir les finalités. Alors c'est simple, hein, prenez l'état de la situation d'aujourd'hui, c'est limpide. J'ai pas besoin de... Mais je vais quand même m'arrêter sur quelques détails. Prenez un oriental et vous prenez un occidental. Un occidental est athée, un oriental est croyant. Par nature, c'est pas à chercher midi 14h. C'est simplement parce que les uns ont 50 ans en arrière et nous, on est 50 ans en avant. Voilà. C'est-à-dire que le monde s'est opacifié en un siècle, tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une culture ancienne, spontanément a le sens de l'infini. Quelqu'un qui est dans une culture actuelle a spontanément le sens de l'infiniment petit. C'est-à-dire le monde est fermé, il est clos. Donc ça, c'est... si vous allez en Afrique,
un gamin, il éclate de joie. Les enfants africains sont pleins de joie. Vous allez voir un gamin occidental, il aura beau avoir la chambre remplie de jouets, il n'est pas content. Ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est parce que l'enfant, en vertu de sa pauvreté, est dans un processus de d'émerveillement de l'existence, alors que l'enfant enrichi a perdu l'émerveillement de la finalité de la vie. Donc il lui faut quelque chose de toujours plus subtil pour pouvoir dynamiser sa perception de la finalité de l'existence. Donc une personne saine, une personne qui a une bonne santé mentale, normalement perçoit la finalité de la vie normalement, alors qu'une personne malade, déprimée, trouve que rien n'a de sens. Voilà, rien ne vaut rien, il n'y a pas de dynamisme, et rien ne conduit à rien. C'est le principe d'enfermement. Puis aujourd'hui, il y a des... Donc, une personne sainement constituée s'émerveille de ce qu'on appelle la finalité objective des choses. Par exemple, qu'une main soit constituée d'une centaine d'os, tous articulés les uns avec les autres, normalement, une personne comprend qu'il y a un ingénieur derrière ça. C'est pas le fruit du hasard. Alors qu'un moderne, ce n'est que le hasard qui a fait que 100 os s'articulent les uns avec les autres. Le principe de finalité se perd. Et ainsi de suite. Donc le monde est tombé dans le dame, c'est-à-dire qu'il a perdu de son expressivité. On est dans le non-sens. Le non-sens ou la non-finalité. C'est-à-dire qu'on ne perçoit plus le rapport entre moyen et fin. Et du point de vue radical, eh bien on ne voit plus Dieu dans les choses. Et on ne voit plus tout ce qui est spirituel. On ne voit plus que les moyens. On ne voit plus les fins, on ne voit que les moyens. Donc, on regarde un homme comme un sac d'os, point à la ligne. Mais on ne voit pas tout ce que ce sac d'os fait. On considère que ce sont des ébullitions sans importance. Donc, voilà la situation première de péché, enfin, en tant que conséquence. La deuxième, la plus importante dans l'histoire de la théologie, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort au sens théologique et à la fois au sens ordinaire. Au sens théologique, c'est ce qu'on appelle la corruption. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est très simple, c'est que tout fiche le camp. Tout se détruit. Tout se détruit sans cesse. C'est-à-dire, le réel n'est pas stable. Le réel n'est pas subsistant. Le réel étant dans un état de déliquescence perpétuelle. Alors, ça a trouvé une expression dans la science moderne. Depuis le 19e siècle, c'est ce qu'on appelle l'entropie. C'est même une loi. La deuxième de la thermodynamique. Voilà. Tout se désagrège. En langage savant, tout tend au maximum de probabilité qui est le désordre. Donc là, ça, c'est un mystère. Pourquoi l'être est-il dans un tel état de fragilité? Pourquoi tout vieillit? Et pourquoi tout se... déconstruit, c'est un grand mystère. Et c'est ce mystère-là qui, théologiquement, est considéré comme conséquence du péché. Parce qu'il y a une puissance de néantisation, eh bien, l'agir de Dieu n'est pas parfait. Dieu devrait tout faire pour toujours. Et en tant que croyant, c'est ce que nous devons redécouvrir dans la foi.
Chaque seconde de notre vie et de nos vies sont éternelles. Tout est pour toujours devant Dieu. Mais par rapport à nous, au contraire, tout passe. Et rien n'a de subsistance. Donc il y a un principe de néantisation qui est la corruption. Et bien sûr, ça aboutit finalement à la mort physique. Un principe important du point de vue d'abord du cosmos, c'est que désormais l'agir de Dieu doit intégrer la corruption. Puisque l'agir de Dieu n'est plus subsistant, immédiatement et directement, eh bien, il procède par une succession de destruction-reconstruction, destruction-reconstruction, destruction-reconstruction. Et donc, désormais, le monde suit une logique alternative. Que l'on considère, bien sûr, d'un point de vue païen, comme tout à fait ordinaire, mais théologiquement, ça n'a rien d'ordinaire. Pourquoi tuer tant de monde pour faire advenir tant d'autres? Pourquoi détruire tant de réalisations pour faire advenir d'autres réalisations? Donc ça, c'est une des conséquences fondamentales du mystère de la mort. Et la deuxième, évidemment, c'est une conséquence éthique pour nous. Puisque tout se détruit, rien n'est stable, il nous est impératif d'être sans cesse créatif, pour ne pas dire créateur. C'est-à-dire que si on s'arrête, on recule. S'arrêter, c'est reculer. Il nous faut sans cesse tendre à davantage pour ne serait-ce que conserver ce à quoi nous sommes parvenus. Alors, les exemples abondent, j'en donne quand même deux, trois classiques. On va prendre l'artiste, le pianiste, il s'arrête de jouer au piano, c'est fichu. Le deuxième exemple classique, c'est le mariage. Si on ne se donne pas des objectifs toujours nouveaux, le mariage, c'est fichu. Le mariage, ce n'est pas un état donné. Si on sait un état donné, hop, c'est fini. Il n'y a pas de moment génial et on devrait rester dedans. Si, il y a des moments géniaux, mais il ne faut pas y rester. Il y en a d'autres à créer, sinon ça disparaît. Et ainsi de suite. Donc l'homme est obligé d'être perpétuellement créatif pour ne serait-ce que subsister, sans quoi il dégénère. La troisième conséquence majeure de la chute des anges et de l'homme avec eux, c'est dans la tradition de l'Église qu'on appelle la concupiscence. En langage moderne, c'est quoi? C'est le désordre du désir. Alors, le désordre du désir, c'est une conséquence, en fait, de la peine du da. Dans la mesure où nous avons du mal à reconnaître les finalités, eh bien, nous sommes dans un état de vie incroyable, à savoir que nous ne savons pas ce que nous voulons. Et que nous passons notre temps à chercher l'objet de notre désir. Donc cette recherche de l'objet du désir est une longue errance qui se départ en deux champs divers. Qui sont ou bien le fait qu'on ne sait pas quel est l'objet proprement dit de notre désir, ou du moins où nous ne savons pas quelle est la faculté de notre désir. Ça veut dire quoi? Puisque nous ne savons pas ce que nous voulons, eh bien nous sommes en perpétuelle course de l'objet final du désir, l'objet absolu, la fin.
Mais une fin suppose d'y ordonner des moyens. Et donc nous sommes dans une perte de deux objets. À la fois la fin et les moyens pour y parvenir. Donc, régler la question de la fin, c'est pas simple. De savoir ce qui, effectivement, va combler notre vouloir. En langage, Cato, et pas seulement Cato, c'est ce qu'on appelle sa vocation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qui nous donne l'objet de notre vouloir ? C'est le Seigneur. Donc, il nous revient, et nous revient de trouver en Dieu ce qui comble notre vouloir, c'est-à-dire découvrir qu'en fait, nos désirs sont de Dieu. Ce que nous croyons être nos désirs, moi j'aime la peinture, en fait, en réalité, c'est pas que t'aimes la peinture, c'est que Dieu t'appelle à la peinture, c'est pas la même chose. Donc, remonter son propre désir au désir de Dieu, c'est une première chose. Et après, de reconnaître dans l'histoire à la fois universelle et personnelle l'accomplissement du vouloir divin, ce qui est encore une autre paire de manches. Voilà. Donc, la recherche de l'objet est très compliquée. Normalement, une personne saine qui écoute sa conscience, parce que là ici, normalement Dieu nous parle en permanence à l'intérieur de nous-mêmes, qui écoute humblement sa conscience doit normalement trouver sa vocation. Sauf cas particulier. Donc, c'est pour ça que normalement la victoire sur le désordre du désir est à la portée de toute personne juste qui seulement écoute la voix de sa conscience. Et ensuite, après, il faut un peu d'approfondissement dans le cas où la réalisation de cette vocation rencontre des difficultés dans le temps. Mais, je l'ai dit, tant qu'on n'a pas trouvé la fin, on ne va pas trouver non plus les moyens. Et donc, on est dans aussi un autre désordre concernant les désirs moyens, les désirs intermédiaires. Donc, la personne qui n'est pas à l'écoute de sa conscience et qui n'ordonne pas sa vie en fonction de sa vocation, va faire de mauvais choix. Et elle ne va pas savoir ordonner les moyens qui lui sont appropriés, qui lui sont propres. Parce que ce que font les autres, c'est n'est jamais une leçon pour soi, même s'il y a des règles générales, évidemment. Mais fondamentalement, chacun de nous est une complexion unique de désirs qui doivent être réalisés pour pouvoir accomplir le désir fondamental. Donc la personne qui est encore dans l'état de désordre va, par exemple, trop manger ou pas assez, trop boire ou pas assez, trop dormir ou pas assez, trop travailler ou pas assez, etc., etc., etc. Ça, c'est la débandade des désirs parce que, en fait, on n'est pas encore capable d'ordonner l'ensemble des moyens en vue d'une fin, qui est une fin qui se découvre en Dieu. Et alors ça, c'est du point de vue des objets. Mais en fait, ça a des conséquences immédiates sur les facultés elles-mêmes de la personne, c'est-à-dire la personne est dans un état contraire à l'unité. Qu'elle est, je ne sais pas comment on dit, dispersée. Et les facultés vont donc tirer dans tous les sens. Donc c'est ce qu'on appelle les passions. On va être livré à des passions. Parce que les facultés psychosomatiques, n'étant pas unifiées par la perception de sa propre vocation, eh bien, elles partent chacune dans tous les sens. La personne est déchirée par des passions. Voilà donc la situation de l'homme pécheur.
comme je le rappelle en une formule, il n'y voit rien, il sait qu'il va crever et c'est pas ce qu'il veut. Donc ça, c'est la doctrine donc, de la chute du point de vue théologique et du point de vue donc, de la peine du péché. Le péché des anges et ensuite notre participation à ce péché induit que nous sommes dans cette situation-là. La foi chrétienne, la foi dans le salut, bien sûr, affirme que nous pouvons vaincre au moins les trois principales formes de la corruption. La vision de Dieu, en principe, on ne peut pas la dépasser. On l'a perdue définitivement. On verra comment on peut la regagner. La mort non plus. Le monde est ce qu'il est, donc on ne pourra jamais échapper au monde. En revanche, le désordre du désir, lui, peut être normalement contrôlé et dépassé. Ah, bien sûr, il y aura des tempêtes, mais qui est sage, eh bien, arrivera à suspendre son jugement au moment des tempêtes, et puis quand ça se calmera, reprendra sa route tranquillement. Mais c'est ce qu'on appelle donc la concupiscence invincible. Augustin, notamment, a développé ça. C'est le fait qu'il y a des moments où le désir est en désordre, mais l'homme uni à Dieu sait que ce désordre n'est que passager et lui ne se laisse pas embarquer par ce désordre. Et puis après, il reprend sa route une fois que la tempête est passée. C'est donc dans ce contexte-là que nous confessons l'œuvre de salut de Dieu, que quand même je me permets rapidement de exposer. Sans quoi, de certaine façon, tout cela ne prend pas sa véritable couleur. Puisque nous l'avons dit, c'est dans le Christ, finalement, seulement, que nous découvrons combien nous sommes pécheurs et comment nous sommes sauvés. En fait, c'est par le salut du mal que le mal est mis en lumière. Alors, le salut, évidemment, puisque le péché est dû à la chute des anges en amont, eh bien, il ne peut être réalisé en aval que par une intervention nouvelle de Dieu. Nous sommes incapables, nous, de changer le cosmos et encore moins l'univers. Le seul qui puisse le faire, c'est Dieu. Donc nous confessons qu'un jour Dieu est entré dans l'univers, et même plus précisément dans le cosmos, et que c'est cette introduction de Dieu dans le cosmos qui est la source de notre salut. Eh bien, il y a 2000 ans, puisque nous n'étions pas capables de surmonter les conséquences du péché, eh bien, la Trinité elle-même est intervenue dans le cosmos, de telle sorte, que le Fils de Dieu lui-même s'est fait homme. Et en se faisant homme, il a médiatisé le rapport de tout homme avec le Père par l'Esprit Saint. Vous voyez, qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à confondre, ce n'est pas la même chose. Ici, on était dans l'Esprit de Dieu, égale puissance, mais là, ici. Et donc, de fait, désormais, par le baptême, nous sommes unis au Fils de Dieu, au Fils éternel du Père, de telle sorte que nous sommes élevés à la communion avec le Père. Et en ce sens-là, dans la foi, alors pas au niveau évidemment des sens, pas au niveau de notre être cosmique, mais au niveau de notre âme, et de notre esprit plus précisément, eh bien nous pouvons vaincre le diable. C'est-à-dire que par la foi, nous voyons Dieu. Et nous sommes de nouveau en face à face, en vis-à-vis, en visage et visage avec Dieu le Père. Concernant la mort, aussi,
la doctrine traditionnelle des pères, c'est que nous ne mourrons pas. Nous, les baptisés, nous ne mourrons pas. C'est-à-dire que la mort n'est pas pour nous quelque chose que nous subissons, c'est un mystère d'union au Christ qui est mort et qui ressuscite. Et quant à la concupiscence, on a dit que même simplement l'homme raisonnable était capable de la juguler. Et donc, grâce à l'union de chaque homme avec le Christ, eh bien, il est en relation directe avec le Père, et de ce fait-là, à travers, comme le désordre du cosmos, il récupère l'innocence relationnelle avec Dieu. C'est cela exactement le mystère de la foi. Évidemment, mon dessin ici s'arrête pas là, parce que le Fils va pas rester dans le cosmos. Le Fils va se déplacer. Il va aller où ? Il va aller dans les cieux. C'est-à-dire dans le monde angélique. Et effectivement, aujourd'hui, la situation actuelle, bien sûr, c'est l'Esprit Saint, on peut toujours le laisser là, même si c'est plus ici que nous le vivons, l'Esprit Saint est désormais, lui, dans le cosmos. Aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Alors que le Christ, lui, est monté aux cieux. Et qu'est-ce qu'il fait aux cieux ? Eh bien, justement, il préside à la hiérarchie céleste. C'est-à-dire que désormais, c'est l'ensemble de l'univers qui lui obéit. Toutes les puissances, les dominations, les principautés, les trônes et les archanges. Voilà. C'est l'ensemble de la hiérarchie cosmique qui est désormais soumise au Christ qui trône dans les cieux et qui dirige, eh bien, le cours de l'histoire. Voilà. Qui dirige le cours de l'histoire dans les conditions qui sont les siennes et qui sont celles de la chute. Mais nous sommes comme soulevés au-dessus, eh bien, de l'effondrement du monde, en tout cas au niveau de l'esprit, même si notre corps, lui, reste soumis à la chute de l'univers. Et alors, évidemment, nos âmes, au moment de la mort, passent de l'autre côté. Je fais des petites âmes comme ça. Normalement, elles ne devraient pas. S'il n'y avait pas la mort, on ne devrait pas y passer. Mais vous savez que c'est un des fruits de la volonté de Dieu et surtout un fruit de la cession du Fils de Dieu dans les cieux. Que désormais toutes les âmes ne restent pas dans l'informe, mais sont appelées à monter et à participer au règne cosmique, que dis-je, au règne universel du Christ. C'est bien qu'il y a toute une mystique selon laquelle les âmes viennent reprendre les postes abandonnés par les anges déchus. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, il y a une véritable réélaboration du ciel pour porter le monde à son achèvement. Et cette réélaboration, elle passe par le mystère de notre mort. Nous sommes éprouvés sur la terre un temps, mais là où on va être vraiment acteur de l'histoire, figurez-vous, c'est pas maintenant, c'est quand on sera là. C'est au ciel. C'est là que pourra véritablement conduire l'histoire à son terme. Je voudrais juste finir donc sur la fameuse solidarité. La solidarité, d'une part dans le péché et d'autre part dans la justification. Donc solidarité en Adam dans le péché et solidarité en Christ dans la justification. Augustin faisait ce qu'il pouvait.
C'était un homme du 5e et du 6e siècle. Il avait les catégories philosophiques qui étaient les siennes. Il a fait ce qu'il a fait pour essayer de pouvoir dire quelque chose d'inouï, qui était dit par Paul. Alors, Augustin, donc, a non seulement adopté ça, qui était adopté par tout le monde, mais il a donc ajouté que, par le péché, on recevait pas seulement les conséquences externes, mais on recevait aussi la culpabilité même d'Adam. Et que c'est cela qui pouvait aussi rendre compte de ce que, en croyant au Christ, eh bien, nous recevions ses mérites. Parce qu'en fait, c'est le même problème. Parce que si vous dites qu'il n'y a pas de solidarité, alors la question qui se pose, mais qu'a fait le Christ ? Et c'était justement le problème d'Augustin, lorsqu'il devait combattre Pélage, qui était quelqu'un de très rationnel, qui disait, ça n'existe pas, ça. Non seulement, je ne suis pas fautif pour ce que je n'ai pas fait, mais je ne suis pas non plus juste pour ce que je n'ai pas fait. Pourquoi voulez-vous que je devienne juste parce que le Christ a fait quelque chose de beau ? Et pourquoi voulez-vous que je sois coupable parce que Adam a fait quelque chose de mal ? Donc là, en fait, les deux logiques doivent se tiennent. Et donc, Pélage, lui, disait, le Christ, il a rien fait, il ne nous transmet rien. Simplement, il nous a donné le bon exemple. Voilà. Et donc, nous nous justifions nous-mêmes dans la mesure où, nous faisons comme lui. Voilà, c'était, grosso modo, l'influence exemplaire du Christ qui était le principe de salut. Donc, Augustin a voulu tenir les deux. Non. Le mystère de la foi, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas simplement de subir les conséquences négatives des actes de quelqu'un et ni de emboîter le pas dans l'exemple de quelqu'un. Il s'agit véritablement d'être porté. Porté dans le mal et porté dans le bien. Alors lui, bien sûr, il avait les moyens philosophiques qui étaient les siens. Quand il a voulu penser la transmission du péché, il s'est arrêté en particulier sur le fait que nous étions pécheurs du fait que nous naissions. C'est-à-dire que la transmission de la culpabilité était contemporaine de notre conception. Et donc, qu'elle avait rapport à la génération. Et donc, qu'elle avait rapport à la sexualité. Et donc, Augustin a écrit des pages où il laisse entendre que c'est dans l'acte sexuel, qui est un acte qui comprend toujours du désordre, de la concupiscence. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'acte sexuel parfait. Il est toujours quelque part concupiscent, que les âmes étaient comme souillées ou conçues de travers et que donc elles étaient toutes entraînées dans le foyer du péché. Alors sachez bien une chose, c'est que si Augustin, lui, a essayé de réfléchir dans cette voie, l'Église, elle, n'a jamais emboîté le pas à Augustin. Alors c'est pas qu'il n'y ait pas eu des fans d'Augustin qui aient pu récupérer ses idées, mais du point de vue officiel, l'Église n'a jamais adopté le point de vue d'Augustin concernant le moyen de la transmission. Donc l'Église a adopté l'analyse qu'Augustin faisait de saint Paul, en reconnaissant qu'il n'y avait pas que la transmission de la peine, mais bien la transmission de la faute. Mais quant à savoir comment se fait cette transmission de la faute, l'Église n'a jamais tranché. Donc ne confondez pas ce qu'Augustin a dit avec ce que l'Église a dit, et ne confondez pas le fait de condamner Augustin pour ses réflexions sur la libido avec ce qu'il a réfléchi sur le mystère du péché originel. Parce que vous trouverez toujours des gens pour incendier saint Augustin à cause de sa réflexion négative sur la libido. Par exemple, saint Thomas d'Aquin que j'ai cité, lui, il ne sait pas quoi faire, alors il trouve comme solution
l'analogie du corps. Une tête, des membres. Si la tête est pécheresse, alors les membres sont pécheurs. Oui, ce n'est pas très explicite. Mais il a péché, il ne faut pas. Et donc, effectivement, l'Église est restée en suspens sur ce liste. Alors, évidemment, je ne prétends pas être ni Augustin, ni Saint Thomas. Je n'ai pas lu non plus d'auteur qui m'ait convaincu. Alors, je vous propose ma propre réflexion sur ce sujet. Nous avons parlé du mystère de la Trinité comme interpersonnalité. C'est-à-dire que nous avons reconnu que être une personne, c'est être de manière constitutive en relation avec autrui. Cela signifie que l'humanité tout entière est dans effectivement une logique de solidarité. Ça veut dire qu'aucun de nous n'est seul. Nous sommes tous en relation les uns vis-à-vis des autres. Et que donc, ce que fait l'un rejaillit nécessairement sur nous tous. Si donc Adam a péché, je suis nécessairement dans une situation relationnelle de péché. Ça ne veut pas dire que je suis pécheur, mais ça veut dire que le cadre de ma relation est entaché par le péché. Et si elle est entachée par le péché, eh bien je ne peux plus, moi, agir dans l'innocence. Saisissez. C'est je ne suis pas en perte d'innocence en vertu d'un acte de ma part, mais je suis en perte d'innocence parce que le cadre de mon agir, lui, n'est plus dans l'innocence. C'est que le problème du péché originel, et qui est très critiqué par ceux qui ont refusé saint Augustin, c'est-à-dire par les orthodoxes les plus radicaux, c'est que le péché ne peut pas être de la nature. Un péché de nature, ça n'a pas de sens. Le péché implique nécessairement la liberté et la responsabilité. D'accord. Tant que vous parlez de choses, mais nous ne sommes pas que des choses, justement. Nous sommes des personnes. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose de constitutif au moment même où j'exerce ma liberté. Je n'exerce pas ma liberté comme s'il n'y avait rien devant moi. J'exerce ma liberté dans un cadre. Or, ce cadre, eh ben, il est marqué par le péché. Ça veut dire que notre petit bout de chou qui descend du ciel, là, tout innocent, après son premier cri qui sort de sa maman, qu'est-ce qu'il voit? Il ouvre le journal et qu'est-ce qu'il voit? Ouf. C'est là que je suis arrivé. Vous croyez qu'il peut rester innocent? C'est pas possible. Parce que le journal est plein de problèmes. Et donc, la solidarité dans le péché, c'est ma co-dépendance interrelationnelle avec vous. Et cela est vrai, donc dans le péché, bien sûr, donc si on a un Adam pécheur, on va faire rouge, si on a un Adam pécheur, bah nécessairement toutes les relations vont être marquées par le péché. Et si un jour, on a le Saint des Saints qui arrive et qui s'incarne à l'intérieur de cette humanité, eh bien, désormais, il crée une nouvelle solidarité. Alors, on le sait bien. C'est pas parce que je crois en Jésus que je suis saint.
Mais c'est parce que je crois en Jésus que je peux être saint. C'est-à-dire que par le baptême, là, effectivement, là, il y a un acte sacramentel en plus, parce que c'est quand même pas simple. J'affirme les deux. Moi, j'affirme les deux. C'est-à-dire, à la fois, il y a un acte naturel, c'est-à-dire que le fait que le Christ soit entré dans le tissu des relations humaines, il crée une disponibilité nouvelle au sein même de la famille humaine. Et ça, c'est une thèse classique hein, qui est énoncée par saint Thomas d'Aquin. Mais en plus, il y a une nouvelle solidarité sacramentelle créée par le baptême où chacun de ceux qui reçoivent le baptême sont en étroite union avec le Christ. Et donc, il y a véritablement une logique de solidarité. Et le péché originel, ou ce qu'on pourrait appeler la justification originelle, c'est l'expression de cette solidarité-là. Et saint Augustin avait tout à fait raison de dire que Paul nous parlait d'une transmission de la culpabilité en vertu de notre solidarité interpersonnelle, de même qu'il y a transmission des mérites du Christ en vertu de notre interpersonnalité humaine avec lui, humaine et en plus divine, par le baptême. Et c'est ainsi que je vous dis, allez dans la paix du Christ.